c'était un match compliqué. On le savait, c'était une équipe de Valence qui venait ici pour prendre des points par rapport à son maintien. Et ce fut un match compliqué, une première mi-temps en dents de scie, avec un fou rythme, ça convenait plus à Valence. Mais on sort avec deux buts d'avance, heureusement. Et une deuxième mi-temps avec beaucoup plus d'intensité, on a monté les ballons et on a fait la différence à des moments importants. Donc voilà, c'est une belle victoire. Hein, bizarrement, je suis pas trop fatigué aujourd'hui par rapport à d'habitude. Non, mais c'est bien. J'ai besoin de matchs comme ça et de la continuité. Donc il faut continuer le prochain match contre Angers. Il faut enchaîner. On a déjà le statut de favori. Je pense que tout le monde veut nous battre. Après, on sait que Angers, ce sera très compliqué. C'est une équipe qui joue le maintien. Ça n'a pas été facile à Bière. Et tous les matchs sont très compliqués à gérer, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Hein. C'est du moment où on sous-estime l'équipe, on risque de perdre et c'est ce qui peut arriver. Donc là, il fallait prendre cette équipe au sérieux, on l'a très bien fait. Maintenant, Angers, c'est pas parce qu'ils sont avant-dernier ou je sais pas ce qu'ils ont fait ce soir que ça va être facile. Au contraire, je pense que c'est encore un match qui sera dur à gérer, autant dans le mental, parce qu'eux, ils vont être à fond. Ils ont fait une grosse perf contre nous la semaine dernière. Donc je pense qu'ils vont vouloir nous battre. On s'y attendait, on savait très bien que même si les résultats sont pas en leur faveur, ils ont une très belle équipe. Tout le public a pu le constater ce soir que leur fond de jeu était vraiment intéressant. Ils ont des bonnes individualités. Après nous, on a été un peu en difficulté en première mi-temps défensivement. On a mis un peu plus de volume et d'agressivité sur la deuxième. Mais voilà, petit avertissement quand même, je pense qu'il faut en tenir compte de ce match et surtout pas se relâcher pour enchaîner les matchs du mieux possible. Il y a notre envie qui est débordante et après on a appliqué un peu mieux le plan de jeu sur la deuxième mi-temps, un peu moins bien en première. On a eu un Guillaume Crépin en chaleur ce soir, donc ça nous a fait du bien. Voilà, je pense que vraiment il faut continuer à travailler la semaine pour pouvoir continuer la belle aventure avec nos résultats positifs et ce public qui était ce soir encore présent. Donc ça fait énormément plaisir. C'est vraiment plaisant de jouer devant autant de monde et on sent qu'ils nous supportent de plus en plus. Bon, c'est un beau cadeau d'anniversaire là, fait par l'équipe et toi tu as participé aussi. Comment t'analyses ce match là? Bon, c'est un match compliqué pour le commence de la première mi-temps. Je pense qu'on rentre un peu plus tranquille sur le match, mais après avec une bonne intensité en défense sur la deuxième mi-temps et sur la montée de balle, je pense que ouais, après on gagnait pour ça.